Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses-là vous seront données par tous. La Banque de semences agricoles de Svalbard se veut la protection absolue contre les pires scénarios catastrophes. Une chambre forte frigorifique, sauvegarde ultime de la biodiversité mondiale en cas d'impact avec un astéroïde, en cas de guerre nucléaire ou bactériologique, d'une catastrophe naturelle aux dimensions planétaires ou encore, beaucoup plus probablement, de la disparition constante d'espèces, conséquence du réchauffement climatique. Comment les incroyables forces de la tectonique des plaques façonnent-elles à l'infini le relief de notre planète dans un cycle perpétuel de construction et de destruction? Cette incroyable transformation fait simplement partie du cycle naturel qui façonne la Terre depuis 4 milliards d'années. L'expérience de l'ESROP renforce la théorie selon laquelle le champ magnétique de la Terre est généré par une géodynamo interne. La circulation du métal liquide dans le noyau externe est essentielle à ce processus. La géodynamo dépend donc du flux de fer en fusion présent dans le noyau terrestre. C'est pourquoi la science s'est lancée dans une course contre la montre afin de comprendre pourquoi notre bouclier se fragilise. En analysant des milliers d'échantillons de lave, les géophysiciens ont découvert que le champ magnétique terrestre s'est inversé plus de 18 000 fois lors des derniers 20 millions d'années. Les inversions ont été précédées et suivies de longues périodes de fléchissement de l'intensité du champ magnétique.
Les gens ont eu du mal à accepter l'idée que le champ s'inverse effectivement. Il a fallu 50 ans pour arriver à les en convaincre. Mais on a réussi à le prouver grâce au travail effectué sur cette île. Parce qu'en allant encore plus profond, on observe que tous les 200 000 ans, la polarité change à ce rythme. En étudiant des échantillons de lave de plus en plus vieux, les scientifiques observent de plus en plus d'inversions. Tous les 200 000 ans. C'est devenu une évidence que le champ s'inversait effectivement. Mais si le champ s'est inversé tant de fois par le passé, il le fera encore. Recherches ont révélé que la dernière inversion s'est produite il y a 780 000 ans. La possibilité d'une inversion du pôle magnétique suscite un intérêt légitime. La précédente s'est produite il y a plus de 750 000 ans, et dans une certaine mesure, la prochaine inversion devrait déjà avoir eu lieu. Au cours de ce processus d'inversion, l'intensité du champ magnétique chute de manière significative. C'est arrivé souvent. La Terre a 4,5 milliards d'années. Le phénomène se produit donc environ tous les 100 000 ans. Du siècle dernier, il s'est déplacé d'une dizaine de kilomètres par an. Mais à partir de 1970, le rythme s'est accéléré pour atteindre une quarantaine de kilomètres par an. Savons que cet échantillon a été cuit entre 1640 et 1670. L'analyse nous révèle qu'à cette époque, l'intensité du champ magnétique terrestre était supérieure de 10%. Les résultats indiquent que notre protection magnétique se dégrade à une vitesse alarmante. Et selon le professeur Jeremy Bloxham, elle pourrait disparaître 10 fois plus vite que prévu.